Hop là, quand tu veux. J'ai tout acheté chez Delhaize pour faire des pâtes boulettes sauce tomate. En plus, comme ça, je vais pouvoir goûter leur nouveau fromage râpé plant-based. On commence par mettre de l'eau à chauffer dans une casserole, puis je coupe l'oignon rouge en petits dés avant de passer à l'ail. J'adore l'ail, mon préparation ne pourrait être que de l'ail. Parfait, ça bout, donc on va mettre les pâtes. Et vu que je suis pas du tout une pro pour les quantités, j'ai mis tout le paquet. Je savais pas. 9 à 10 minutes, moi je les aime bien al dente, donc je vais mettre 9 minutes. Je reprends l'oignon et l'ail et je les fais dorer dans une poêle, puis je rajoute mes petites boulettes, je mélange un peu et je déglace avec du vinaigre balsamique. Ça y est, les pâtes sont cuites et maintenant je passe à la sauce tomate. Enfin ça, c'est si j'arrive à ouvrir la boîte. Ok, c'est bon, maintenant je prends du basilic que je coupe en petits morceaux et moi j'adore ça, donc j'en mets pas mal. J'ajoute les pâtes à la préparation et ça y est. On va voir ce que ça goûte. Non mais c'est excellent, ça goûte le fromage. Là j'ai hâte de manger donc je commence à danser. Est-ce que je goûte déjà cette petite boulette ou j'attends? Non, je vais attendre dans mon plat quand même. Je vais être raisonnable. Bah voilà, il n'y a plus qu'à manger. Une petite feuille de basilic pour la présentation, un petit peu plus de fromage et j'ai envie de dire bon appétit.